C'est toi, Marcel? Oui. Ah, tout de même. Bonjour, Antoinette. Alors, la matinée s'est bien passée? Tu es en retard. Qu'est-ce que tu as encore fait? Il y avait des clients. Il a bien fallu que je les serve. La belle excuse. Tu n'as qu'à fermer le magasin à midi, comme tout le monde. Quand un client est entré, je ne peux quand même pas le renvoyer. Oh, ne me raconte pas d'histoire, je t'en prie. Je parie que ce client était une cliente. Antoinette, je t'en prie, pas de scène. Tu n'as aucune raison. Oui, ça c'est toi qui le dis. Parlons d'autre chose, tu veux? C'est ça. Tu as acheté la valise? Oh, tu crois que j'ai que ça à faire? Mais enfin, Antoinette, nous partons dans 3 jours. Écoute, tu n'as qu'à y aller toi-même. Tiens, et en même temps, tu en prendras une pour maman. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu sais très bien que maman avait envie de prendre ses vacances avec nous. Mais tu ne crois pas que de temps en temps, nous pourrions nous passer d'elle, non? Écoute, maman fait tout pour toi. Et tu ne sais vraiment pas apprécier... Non, tu as raison, je n'apprécie pas de l'avoir continuellement sur le dos. Oh, ce que tu peux être injuste. Toujours est-il qu'elle a retenu une chambre au Bellevue. Dans notre hôtel, de mieux en mieux. Écoute, laisse-moi parler, veux-tu? Comme elle est très discrète, contrairement à ce que tu insinues, elle a demandé une chambre dans l'annexe. Discrète comme je la connais, nous le rend sur le dos du matin au soir. Charmant. Non mais dis tout de suite que tu as honte de maman. Elle vaut bien toutes les filles que tu fréquentes. Ah non, ouais, ne recommence pas. Hein. Je ne t'ai pas encore trompé, Antoinette. Mais si tu continues, cela va arriver. Eh bien, si j'ai un conseil à te donner, ne joue pas à ce jeu-là, Marcel. Qu'est-ce que tu ferais? Je saurais me défendre. Vraiment? Ah, je serais capable de tout, si tu me ridiculisais. Si je te ridiculisais? Oui. Il n'y a que cela qui compte pour toi. Ben, c'est bien normal, non? Je suis une personne respectable, moi. Eh oui, mais oui. Enfin. On peut déjeuner? Hey, prends-toi une assiette. Tiens. Bon. Marcel! Oui? Écoute-moi, c'est sérieux, tu sais. Quoi? S'il y avait une femme dans ta vie. Eh bien? Eh bien, je la tuerais. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, mais c'est... Oui, c'est moi. Nathalie. Vous m'avez reconnue? Pourtant, il y a 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Oh, vous n'avez pas changé, Nathalie. Cela me fait drôle de vous revoir, surtout ici. Pourquoi? C'est vrai, vous ne savez pas. J'ai quitté le pays depuis plusieurs années, j'y reviens si rarement, en vacances. Alors c'est encore plus merveilleux de s'être retrouvée. Mais vous, qu'avez-vous fait? Oh, pas grand-chose, j'ai fini mes études en Amérique. Il y a longtemps que vous êtes rentrée? 3 ans. Votre père voulait vous éloigner de moi, il a réussi. Il est mort, Marcel. Et il avait cru bien faire en nous séparant. Mais je le comprends. J'avais juste 20 ans, pas d'argent, pas de situation, pas de famille. En somme, rien pour plaire à un futur beau-père. Je vous ai écrit souvent, Marcel. Au début, oui, mais après, vos lettres se sont espacées. Vous répondiez si rarement. Ah, j'étais militaire, et puis je ne voulais pas avoir l'air de... Enfin, vous me comprenez. À cause de ma dot, vous auriez dû oublier toutes ces questions. Ah, votre père aurait bien su me rafraîchir la mémoire. C'est vrai. Il voulait assurer mon bonheur et celui de mon frère, malgré nous. Et vous lui obéissiez tous les deux avec tant de docilité. Oh, Marcel, vous dites ça parce que j'ai accepté d'aller en Amérique, j'avais 16 ans. Il fallait bien que j'obéisse. Je craignais beaucoup mon père. Je sais. Ça a changé par la suite. Vous avez osé lui tenir tête? Plus d'une fois. Oh. Mais si. Tenez, peu avant sa mort, il avait voulu que j'épouse un divorcé parce qu'il était riche. Et alors? Vous connaissez mes idées religieuses. Bien, je n'ai pas cédé. Il a admis mon point de vue. Il est vrai qu'à l'époque, il se savait gravement malade et qu'il ne voulait pas se fâcher avec ses enfants. Ses enfants? Ah, parce que votre frère, lui aussi, lui avait tenu tête? Oui, un jour, il a... Mais parlons d'autre chose. Vous, que devenez-vous? Que faites-vous? Après mon service militaire, j'ai trouvé une situation dans un magasin d'accessoires automobiles. Et j'y suis toujours. Où habitez-vous? À Vincennes. Non, je veux dire ici. Au Bellevue. Mais c'est formidable, c'est là que je suis descendue. Ah. Nous allons prendre nos repas ensemble, nous allons... Ah, c'est... C'est que... Qu'y a-t-il? Je ne suis pas seule.
mariée? Oui. Vous avez des enfants? Non. Je pense que vous êtes très heureux, Marcel. Non. Mon mariage n'est pas une réussite. Vous en rendrez vite compte. Je n'en aurai pas le temps. Je ne suis là que pour 2 ou 3 jours. Non, non, ce n'est pas vrai. Vous allez rester. Hein? Non, je vous en prie. Marcel. Non, il le faut. Nous avons tellement de choses à nous dire. Tellement. Hein? Alors, c'est promis? Ah, monsieur le commissaire, j'en ai laissé un tour tourner, moi. Mais remettez-vous, mademoiselle Petit. Ah ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pensez, je crois être témoin d'un accident et en définitive, il s'agit peut-être d'un meurtre. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Et c'est bien vous qui avez découvert le corps de mademoiselle Nathalie Gauthier. Mais oui, je suis arrivée la première. Oh, c'était affreux. Elle avait un rictus. Je ne sais pas comment vous dire, moi, mais un vrai rictus. Oh, la pauvre demoiselle. Je voudrais pas voir ça tous les jours. Ah ben, je doute que cela arrive. Et avant de poursuivre, pourriez-vous me donner quelques précisions de pure routine? Vous êtes mademoiselle Petit. Oui. Votre âge? 70 ans. Je lis sans lunettes. Ah. Mais mes jambes ne sont pas fameuses, voyez-vous, monsieur le commissaire. Vous habitez bien la petite maison derrière l'hôtel Bellevue? Oui, tout à côté de l'annexe. C'est pourquoi j'étais aux premières loges pour le crime. Et vous avez cessé de travailler? Mais je n'arrête pas. Non, non, je veux dire, vous n'avez plus d'emploi. Mais si, je fais du tricot pour les magasins de Paris. Hein? Bon, eh bien, pouvez-vous me dire comment les choses se sont passées? Mais j'avais une visite et nous étions sur le pas de la porte à nous dire au revoir. Tout à coup, je vois la petite Gauthier qui débouche du tournant. Quelle heure était-il? 7h15 environ. Vous pouvez pas être plus précise? Oh, je ne regarde pas l'heure toutes les 5 minutes, monsieur le commissaire, mais je peux vous certifier qu'il commençait à ne pas faire très clair. Et vous avez reconnu Nathalie Gauthier immédiatement? Il ne faisait pas vraiment nuit. Et puis, elle avait un tricot qu'on ne voit pas sur tout le monde, voyez-vous, et que je lui connaissais bien. Était-elle seule? Oui, et elle titubait. Oh, pas comme quelqu'un qui a bu, non, mais comme une personne malade. Elle a porté la main à son cœur et puis elle s'est écroulée. Nous nous sommes précipités, évidemment. Oui, si je suis bien renseigné, l'autre témoin, votre visiteur, était un certain Marcel Dorian. Oui, Marcel est très gentil, voyez-vous. Il vient toujours me voir quand il est dans le pays. Et à quelle heure est-il arrivé? Vers 6 heures. Nous avons toujours beaucoup de choses à nous raconter, pensez. Il habitait ici autrefois. Quand il était petit, je lui donnais des bonbons. Il est en vacances? Oui, depuis plus d'une semaine. Le médecin m'a dit de ne pas l'interroger immédiatement, car il a eu une syncope. Cette mort l'a bouleversé. Ah, vous pouvez le dire, oui. Et comment cela se fait-il? Il est marié. Ah, ben je ne vois pas très bien le rapport. Mais si, monsieur le commissaire. Il y a 10 ans, il voulait épouser Nathalie Gauthier et il ne l'a revue que cette année. Malheureusement, trop tard. Et savez-vous pourquoi ce mariage ne s'était pas fait? Ah, c'est délicat de parler de ce genre de choses. Bah, il le faut, mademoiselle Petit. Eh bien, voilà. Les Gauthier avaient l'habitude de passer leurs vacances ici. Et à l'époque, Marcel s'est mis à fréquenter Nathalie jusqu'au jour où... Où le père Gauthier s'en est aperçu. Et que s'est-il passé? Le père a emmené sa famille avec armes et bagages, et on ne les a plus revus. Et pourtant, mademoiselle Gauthier était dans le pays aujourd'hui. Parce que son père vient de mourir. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés il y a 10 jours, et qu'ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Vous en êtes sûr? Oh, vous pensez? Ça s'est passé tout près de chez moi. Le monde se serait écroulé et qu'il n'aurait rien entendu. Il se regardait dans le blanc des yeux. Et moi, je me disais, pourvu que sa femme ne voit pas ça. Sa femme? Eh oui, la femme de Marcel. Ah. Elle s'appelle Antoinette. Elle est jalouse comme une tigresse. Ouais, eh bien, récapitulons. Vers 18h, Marcel vient vous rendre visite. Vous le recevez.
Oui. Et vers 19h15, vous voyez Mademoiselle Gauthier s'écrouler sur le chemin. Exactement. Et vous vous précipitez avec M. Dorian pour la secourir. Oui. Bon, avez-vous remarqué quelque chose d'anormal? Non, je ne vois pas. Ou quelqu'un? Il n'y avait personne. En arrivant près de Mademoiselle Gauthier, avez-vous tout de suite compris qu'elle était morte? Ben, il n'y avait pas à se tromper. Avec son rictus, pensez. Et qu'a fait M. Dorian? Ben, d'abord, il est resté comme ahuri. Et puis, il s'est effondré en sanglotant. Et ensuite? Je lui ai tout de suite demandé d'aller chercher du secours. Mais quand j'ai vu dans quel état il était, j'ai préféré appeler. Ce sont deux valets de chambre de l'hôtel Bellevue qui sont arrivés les premiers. Oui. J'ai dit à l'un d'aller téléphoner pendant que l'autre resterait près du corps. On ne laisse pas les morts tout seuls, monsieur le commissaire. Et vous-même, qu'avez-vous fait? J'ai emmené Marcel chez le docteur et puis j'ai été prévenir quelques amis. Vous m'avez dit qu'il n'y avait personne aux alentours quand Nathalie est morte. Ah, j'en donnerais ma tête à couper. Comme il s'agit sûrement d'un poison rapide, l'assassin avait dû se cacher. Mais je me demande bien où. Mais voyons, monsieur le commissaire, il y a le gros sapin. Et puis surtout, l'annexe du Bellevue. Ouais. Mais à votre avis, qui avait intérêt à tuer Nathalie Gauthier? Ah, ben je ne sais pas, moi. Comment? Une personne aussi avisée que vous? J'ai bien ma petite idée remarquée là-dessus, mais... Ah, bon. Ah bon. Je ne voudrais pas vous en parler, car ça pourrait faire du tort à Madame Dorian. Ah, parce que c'est elle que vous soupçonnez? Elle est capable de tout, par jalousie. Un mari aussi parfait que le sien, on n'en rencontre pas tous les jours. Et vous-même, Mademoiselle Petit, connaissiez-vous bien Mademoiselle Gauthier? Non, enfin, oui, je veux dire, tout le monde ici connaissait les Gauthier. À propos, y a-t-il longtemps qu'ils ne venaient plus? Mais je vous l'ai déjà dit, monsieur le commissaire, 10 ans. L'affaire a éclaté le jour où la petite fêtait ses 16 ans. Vous êtes bien au courant des détails, Mademoiselle Petit. Bon. Comment se fait-il que vous vous souveniez de cette date? J'ai dit ça comme ça. Ils avaient dû faire une grande réunion à cette occasion. Et puis ensuite, j'ai sans doute entendu dire qu'il y avait eu une dispute dans la famille. Madame Dorian? Oui. Veuillez vous asseoir, madame. Merci. Oh, commissaire, quelle honte. Et comment? Tout ça à cause de cette personne. Je vous en prie, madame. Prénom? Mon prénom, Antoinette. Âge? 30 ans, tout juste. 30 ans de trop. Oh non, c'est épouvantable, vraiment. Mais madame, calmez-vous, je vous en prie. Oui, ben on voit bien que vous n'avez pas un mari qui vous trompe. Ah non, ça madame, ça non, je peux vous le garantir. Un misérable qui a une crise de nerfs parce que sa maîtresse se tue. Ou parce qu'elle a été assassinée. Votre mari est-il toujours souffrant? Il est dans sa chambre, effondré. Que dit-il? Rien. Mais je sais à quoi il pense. Vous comptez rester encore quelque temps ici? Ah, ça non, par exemple. Je n'ai plus qu'une envie, rentrer chez moi. Des vacances dans ces conditions, c'est de l'argent perdu. Provisoirement, je vous demanderai de ne pas quitter votre hôtel. Mais commissaire, tout le monde me regarde. On connaît la conduite de mon mari, et alors... Êtes-vous vraiment sûr que Nathalie Gauthier était sa maîtresse? Quelle question! On la disait très sérieuse. Oh, une sainte n'y touche, naturellement. Quand je pense que je m'y suis laissé prendre. Comment ça? Eh bien, lorsque je l'ai rencontrée dans le hall de l'hôtel... Elle m'a fait des tas d'amabilité. Elle nous a invités à goûter, à prendre l'apéritif. Et j'ai accepté, moi, naïve que j'étais. Je me disais, enfin une personne convenable, près de qui on peut laisser traîner son mari sans crainte. Non, mais vous vous rendez compte, comment on peut se tromper? D'après ce qui m'a été dit, madame, votre mari était un grand ami de la victime il y a une dizaine d'années. Ah, vous croyez? Oh, ça se peut bien. Il est tellement coureur. Et vous n'en aviez jamais entendu parler? Non, non. Non, je n'ai vraiment bien connu Marcel qu'après son service militaire. Je ne me suis pas préoccupée de ce qu'il avait fait avant. Si j'avais su... Formez-vous un bon ménage.
Les gens n'ont jamais rien dit sur nous. Non, non, mais je veux dire, vous entendez-vous bien avec votre mari? Il faut de la patience, je vous jure. Pourquoi l'avez-vous épousé? J'étais en âge de me marier. Ah. Mais j'aurais dû me méfier. Pourquoi? Vous comprenez, il n'avait rien à lui. Tandis que vous? Mais tandis que moi, j'ai du bien, monsieur le commissaire, oui. Notre appartement de Vincennes, c'est moi qui l'ai acheté. Et Marcel ne m'en a aucune reconnaissance. Pourtant, tout ce qu'il a, c'est grâce à moi. Qu'avez-vous fait aujourd'hui depuis 17 heures? Ah, je n'ai pas vu Nathalie Gauthier. Mais pourquoi me dites-vous cela? Ah, bah, pour rien. Non, vous enquêtez sur la mort de cette fille, alors je vous dis que je n'ai rien à y voir, c'est tout. De toute façon, avec la vie qu'elle menait, ça ne peut être qu'un crime crapuleux. Vous n'arrêtez pas de vous contredire, madame Dorian. Mais comment ça? Vous m'avez soutenu que Nathalie Gauthier était une personne austère, et maintenant vous l'accusez de mener une vie dissolue. Où est la vérité? Mais si elle avait été convenable, mon mari ne la pleurerait pas comme il le fait. Bah, résumons-nous. Vous venez passer 15 jours de vacances dans cet hôtel. Vous y retrouvez mademoiselle Gauthier, que vous aviez vaguement connue avant votre mariage, et ni votre mère ni vous ne vous rappelez qu'elle avait été amoureuse de votre mari. Vous la voyez souvent, vous vous invitez à prendre l'apéritif, à aller dans les pâtisseries. Oui, oui. Et c'est seulement après la mort de mademoiselle Gauthier que vous comprenez les relations qui existent entre la victime et monsieur Dorian. Bah oui, quoi. Vous pourriez le jurer? Je vous le jure. Vous êtes jalouse de nature, m'a-t-on dit. Oh, bah avec un mari comme le mien. Faites-vous du ski? Du ski? Non, non, ça me fatigue. Et quelle drôle de question. Votre mari en fait? Lui, oui. Mademoiselle Gauthier était également skieuse. Ah oui, 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 alors. Vous n'avez jamais pensé qu'ils se retrouvaient tous deux sur les pistes? Non. Ah, vous n'avez pas l'air bien sûr. Mais si, si. Je ne permettais pas à Marcel de s'absenter longtemps. Je tenais à ce qu'il se promène avec maman et moi. Charmantes vacances. Mais il se plaignait. Quel ingrat. Qu'avez-vous fait à partir de 17 heures? Encore? Vous me l'avez déjà demandé. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu. Bon. Alors, en revenant de la pâtisserie... Y étiez-vous avec votre mère? Non, non, elle suit un régime et n'a droit à aucune sucrerie. Donc, en revenant, je suis montée dans ma chambre pour me reposer. Et les autres jours, à la même heure? Vous avez intérêt à me dire la vérité, je vérifierai. Je restais dans le salon de l'hôtel. Seule? Non, avec maman et mon mari. Pourquoi, aujourd'hui, avez-vous changé vos habitudes? Marcel m'énervait. Et votre mère? Bah, nous étions un peu fâchés. Hein? À quel propos? Je ne sais plus. Vraiment? Oh non. Une bêtise insignifiante, sans doute. Vous n'avez vu personne? Non. Vous n'avez donc aucun témoin pour confirmer ce que vous me dites, madame Dorian? Oh, vos déclarations sont pleines de contradictions, madame. Vous avez un mobile de choix et pas d'alibi. C'est très ennuyeux. Maman, c'est affreux. Mais le commissaire t'a vraiment posé toutes ces questions? Puis je viens de te le dire. Oh, ma pauvre Antoinette, tu t'es fourrée dans un de ses guépiers. Oh, je t'avais pourtant prévenu. Mais répète pas tout le temps la même chose. Mais avoue que j'ai raison. Oui, oui, mais... Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il faut voir les choses en face, Antoinette. Si ce maudit commissaire découvre la preuve, il va s'acharner contre toi. Oh, maman, aide-moi, je t'en supplie. Ben, laisse-moi réfléchir. La police ne trouvera peut-être pas que c'est moi, tu comprends? Avais-tu mis des gants? Mais non. Alors tu as laissé les empreintes. Oh, mon Dieu, mais je suis perdue, mais moi. Ne dis pas ça. Voyons. Oh. Si la police avait trouvé, tu le saurais déjà. Mais comment n'ont-ils rien vu? Et le hasard, sans doute. Et puis ce commissaire n'est probablement pas une lumière. Ben oui, bien sûr, mais il va finir par mettre la main dessus. Et c'est pourquoi il faut la récupérer avant. J'oserais jamais. Mais je le sais bien. C'est moi qui vais m'en occuper. Oh, merci, ma petite maman, merci. Mais à l'avenir, écoute-moi et sois raisonnable. Oui, 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 je te le jure, je te le jure. Tout ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas épousé cet incapable. Oh, ne me parle plus de lui, tiens. Non, écoute, dis-moi plutôt comment tu vas faire. Hein? Les scellés ne sont sûrement pas encore posés sur la porte de Nathalie. Non, 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 sûrement. Mais tu crois qu'on ne te verra pas entrer? C'est un risque à courir. Oui, mais surtout n'oublie pas de mettre des gants, hein, à cause des empreintes. Oh, je t'en prie. C'est pas à toi de me rappeler ce genre de choses. Tu y vas tout de suite? Non,
Je vais attendre l'arrivée du veilleur de nuit et je prendrai plus facilement la clé au tableau. Décidément, tu penses à tout. Fais des prières pour garder ta mère encore bien longtemps, ma petite fille. Quoi de neuf, Laurent ? Eh bien, patron, j'ai réussi à faire parler pas mal de gens. Nathalie Gauthier avait une conduite irréprochable. Et à part Marcel Dorian, il n'y avait personne dans sa vie. On peut donc éliminer l'idée d'un amoureux évincé. Oui. Madame Dorian avait-elle compris ce qui se passait entre Nathalie et son mari ? De l'avis unanime, oui. Leur attitude ne laissait, paraît-il, aucun doute. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'elle prétend le contraire. Essentiellement, c'est qu'elle est coupable. Ah, patron, j'espère qu'on va la coincer rapidement. Ce ne sera peut-être pas si facile. Elle est plus fine qu'on ne croirait et sa mère la soutient. Et qu'est-ce que vous avez appris en interrogeant Mademoiselle Petit ? Rien. Elle me cache quelque chose, mais je finirai bien par la faire parler. Et de ton côté, as-tu reconstitué l'emploi du temps de Nathalie Gauthier ? Elle a fait du ski, puis elle s'est promenée avec Marcel Dorian et à 6h, elle l'a quitté devant chez Mademoiselle Petit. J'ignorais qu'elle l'avait accompagnée jusque-là. Mademoiselle Petit n'avait pas dû la voir, sans quoi elle m'en aurait parlé. Ah, alors, elle n'a pas pu vous dire le temps qu'ils ont passé à s'embrasser devant sa porte. Mais dis donc, de sa fenêtre, Madame Dorian pouvait les observer ? Oui, et je l'ai vérifié. Parfait. Ensuite, qu'a fait Nathalie ? Elle est rentrée à l'hôtel, puis elle est ressortie un quart d'heure plus tard. Après, on l'a pas revue. Eh ben, mon vieux, il faut chercher. Oui, d'accord, patron. Ah, ça, on va finir par la démasquer, la mère Dorian. Ah ben, t'emballe pas. Il y a un autre suspect possible. Et qui ? Le frère de Nathalie. Ah, Rémi Gauthier, le type qui attend, là, à côté. Oui, oui, je viens d'obtenir des informations intéressantes. Ah. Figure-toi que la mort de sa sœur le met à la tête d'une fortune dont il a le plus grand besoin. Bon, allez, allez, fais-le entrer. D'accord. Monsieur Rémi Gauthier, entrez, entrez. Je vous ai fait convoquer pour m'entretenir avec vous de la mort de votre sœur. C'est affreux, n'est-ce pas ? Comment l'avez-vous apprise ? Bof, les journaux. Ben, jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un entrefilet, pourtant. Ah oui, mais je suis tombé dessus par hasard. Ah, quel choc, vous pensez ? Oh, ben, je le pense, en effet. Quel âge avez-vous, monsieur Gauthier ? 24 ans. Et que faites-vous ? Je suis en voyage. Non, non, je veux dire, que faites-vous comme métier ? Ben, depuis la mort de mon père, je gère le capital qu'il m'a laissé. Vous n'avez donc pas de problème d'argent ? Oh, non, bien entendu. On m'a pourtant affirmé qu'il ne vous restait presque plus rien. Oh, n'exagérons rien. Dans les affaires, il y a forcément des hauts et puis des bas. Vous jouez au poker aussi ? Oh, oui. Et vous gagnez souvent ? Ah, là non plus, j'ai pas eu de chance ces derniers temps. Et quand on n'a pas de chance, on la provoque, n'est-ce pas ? Oui. Bah, voyons, voyons, voyons. Tout a changé depuis la mort de votre sœur. Vous êtes renfloué. Ah oui et non. Il va y avoir des formalités interminables pour toucher le fric. Et que comptez-vous en faire ? Le placer sérieusement. J'ai une idée du tonnerre. Saviez-vous que votre sœur était en vacances ici ? Non. Et selon vous, pourquoi a-t-elle eu envie d'y venir ? Nathalie était romanesque. Elle a dû désirer revoir les endroits où nous venions quand nous étions gosses. Vous comprenez ça, vous ? Moi, pas du tout. Ah ben pourtant, la région est jolie. Vous trouvez ? Oui, oui, oui. Ben, vous aussi, j'imagine, puisque vous y êtes. Je suis pas venu pour admirer le paysage, c'est pas mon genre. Des affaires, alors ? Bon, bien... Eh ben, lesquelles ? Non, c'est-à-dire que j'avais besoin de repos, j'étais surmené. Et je croyais que vous ne travailliez pas et que vous vous contentiez de dépenser, enfin, je veux dire, de gérer votre fortune. Oui, bien sûr, mais j'étais fatigué. Et pourquoi êtes-vous venu ici spécialement ? C'est normal, nous y avons passé une grande partie de notre enfance. Ah non, 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 je vous en prie. Vous venez de me dire que vous trouviez l'attitude de votre sœur ridicule. Bah, j'ai parlé un peu rapidement. En fait, le pays est très agréable. Vous faites du ski ? Non, je me repose. Bah, vous lisez alors ? J'ai même pas lu une ligne depuis mon arrivée. Comment se fait-il alors, monsieur Gauthier, que vous ayez appris par le journal la mort de votre sœur ? Une vraie chance. La mort de votre sœur ? Non, non. Le fait que je l'ai apprise. Vous n'avez pas eu l'idée de vous rendre auprès d'elle ? Bah, j'ai pas eu le courage. Vous comprenez, la mort de ma sœur m'a bouleversé. Et quand avez-vous vu votre sœur pour la dernière fois ? Oh, il y a quelques semaines. Vous ne lui avez pas rendu visite ces jours derniers ? Non.
Vous pourriez le jurer? Oh ben, je sais plus, moi, avec toutes vos questions, vous me faites perdre la tête. Pour vous aider à retrouver le fil de vos idées, nous pourrions interroger la standardiste de votre hôtel. J'imagine qu'elle note les numéros qui lui sont demandés. Ah ben, ça me revient. Nathalie m'avait appelé, et comme j'étais absent... Alors que vous ne sortez jamais... Elle avait laissé son numéro. Que voulait-elle vous dire? Oh, rien. Notre conversation a été si insignifiante que je m'en souvenais pas. Vous n'en avez pas profité pour lui demander de l'argent? Non. Vous étiez pourtant aux abois. Oh, aux abois, aux abois. Vous ne lui avez pas proposé d'aller la voir? Non. Monsieur Gauthier, vous mentez. Votre sœur avait noté votre visite sur son agenda. Hein? Et vous savez fort bien que l'heure prévue pour votre rencontre correspond avec celle de la mort de votre sœur. Que cherchez-vous, madame Arnold? Oh, commissaire! Mais que faites-vous là? Mais c'est moi qui vous pose la question. Je venais voir ma fille. Mais et c'est dans la chambre de Nathalie Gauthier que vous essayiez d'entrer? Ah, mais je me suis trompée d'étage. Et de clé aussi? Et vous marchiez sur la pointe des pieds en vous retournant sans arrêt. Ne vous moquez pas de la police, madame Arnold. Sinon, vous terminerez votre soirée en prison. En prison? Naturellement. Vous tentez de vous introduire dans une chambre qui ne vous appartient pas, c'est grave. Et vous saviez que cette chambre était celle de Nathalie Gauthier. Mais... Ne mentez pas. Que veniez-vous y chercher? Rien. Ne jouez pas à ce petit jeu-là, il pourrait vous coûter cher. Eh bien oui, je cherchais quelque chose. Quoi? Vous n'allez pas me croire. Mais dites toujours. J'ai compris que vous soupçonniez ma fille d'avoir tué Nathalie par jalousie. Mais moi qui connais bien Antoinette, je sais qu'elle en est incapable. Continuez. J'ai donc décidé de fouiller dans les affaires de Mademoiselle Gauthier pour prouver que quelqu'un d'autre avait intérêt à la tuer. On pourrait plutôt penser que vous vouliez récupérer un indice compromettant. C'est faux. Je finirai par découvrir la vérité quoi qu'il arrive. Mais Antoinette est innocente. Vous feriez mieux de vous occuper des autres. Quels autres? Ben, le fils Gauthier, c'est un propre à rien. Ensuite? Mais je ne sais pas, moi. Mademoiselle Petit. Mademoiselle Petit a trouvé le corps, c'est tout. Elle a bien des choses à se reprocher, pourtant. Ah, quoi? Comment, vous ne savez pas? Non, expliquez-vous. Je n'aime pas de nuire à mon prochain, mais puisque ma petite Antoinette est attaquée, je n'hésite pas. Quand Nathalie était encore gamine, elle courait déjà après mon gendre. Qui ne l'était pas encore. Oh, heureusement. Toujours est-il que le père Gauthier a appris cette histoire et a fait un drame. Oui. Savez-vous qui l'avait mis au courant? Ben, je vous écoute. Mademoiselle Petit. Je comprendrais que Mademoiselle Gauthier en ait gardé rancune à Mademoiselle Petit, mais pas l'inverse. Ah, mais si! Je vais tout vous expliquer et vous n'allez pas me croire. À cette époque-là, Mademoiselle Petit faisait des ménages et elle travaillait chez les Gauthier. Et pour se faire bien voir, elle a espionné Nathalie et a tout raconté à son père. Vraiment? Tout le monde vous le confirmera, mais c'est de notoriété publique. On vous dira aussi que Nathalie s'est vengée. Elle a prouvé que Mademoiselle Petit, pour être au courant de certains détails, avait dû voler des lettres. Alors? Alors le père Gauthier a renvoyé Mademoiselle Petit pour indélicatesse. Beaucoup de gens l'ont su, et ça lui a fait du tort. Et alors, vous croyez que c'est un motif suffisant pour tuer? On voit bien que vous ne la connaissez pas, elle est rancunière, mauvaise comme une teigne. Et puis... Et puis quoi? Et puis, elle a une admiration sans borne pour mon gendre, elle en est ridicule. Autrefois, elle était jalouse de toutes les femmes qui l'approchaient, et il n'y a pas de raison pour que cela ait changé. Alors, vous pensez bien, avec Nathalie, elle avait rouge. Eh bien, je vous remercie beaucoup, madame. Ce que vous venez de me dire est capital pour l'enquête. J'en suis sûr, monsieur le commissaire. Oui, vous m'avez appris que tout le monde était depuis longtemps au courant des sentiments de Nathalie Gauthier pour votre gendre. Donc, votre fille aussi était au courant. C'est tout. Je vous remercie, madame. Je sais que la mort de Mademoiselle Gauthier vous a affecté et que notre entretien va vous être très pénible, monsieur Dorian. Mais il est indispensable que vous m'aidiez à éclaircir certains points. C'est bien normal, monsieur le commissaire. Et je tiens à faire le maximum. Je vous remercie. Commençons par les choses les plus délicates. Et quels étaient vos rapports exacts avec mademoiselle Gauthier? Nathalie était tout pour moi.
Et je crois qu'elle m'aimait plus que n'importe qui au monde. Était-elle votre maîtresse? Ah non. Elle était si droite, si pure. Et quels étaient vos projets? Nos projets? Vous ne pouviez pas continuer à vivre avec votre femme alors que vous en aimiez une autre. Mais il y a des moments où on ne réfléchit pas. J'étais si heureux que je n'en demandais pas plus. Pour la première fois de ma vie, vous comprenez, je vivais. Oui, je vous crois aisément, monsieur Dorian. Car mademoiselle Gauthier tenait un journal et les mots qu'elle utilisait en parlant de vous sont les mêmes que les vôtres. Nathalie. Ma pauvre Nathalie. Mais tout de même, à long terme, qu'auriez-vous fait? Oh, j'aurais sans doute quitté ma femme. Croyez-vous que madame Dorian aurait accepté de divorcer? Oui. Bien sûr, elle aurait menacé de se suicider. Comment le savez-vous? Vous n'imaginez pas le nombre de fois où elle m'a dit ou écrit qu'elle se tuerait quand je ne cédais pas à un de ses caprices. Votre femme est-elle coléreuse? Très. C'est même curieux parce qu'elle est plutôt lymphatique. Jalouse, coléreuse, donc capable de tuer. Oh. Vous ne dites pas non? Si, 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 bien entendu. Antoinette ne serait pas capable de commettre un crime. Que pensez-vous de votre belle-mère? C'est... comment dirais-je? C'est une belle-mère. S'entend-elle bien avec sa fille? Oh, trop bien, monsieur le commissaire. Elle ferait n'importe quoi pour Antoinette. Ah, je vois, je vois. Et croyez-vous que votre femme ait deviné les sentiments que vous aviez pour mademoiselle Gauthier? Certainement. Elle ne vous en avait pas parlé? Non. Elle avait dû comprendre que c'était sérieux et qu'il lui fallait agir plus intelligemment que d'habitude. Par ailleurs, connaissez-vous le frère de mademoiselle Gauthier? Rémi, oui, oui, bien entendu. Mais c'était encore un gamin quand je l'ai vu pour la dernière fois. Savez-vous qu'il se trouve dans la région en ce moment? Oui. Mais il n'a pas cessé de harceler sa sœur de coups de téléphone. Quoi? Oui, il avait besoin d'argent. Il lui a même dit qu'il aurait des ennuis si elle ne l'aidait pas. Vous en êtes sûr? Nathalie me racontait tout. Saviez-vous qu'elle avait rendez-vous avec lui le jour de sa mort? Oui. Mais au dernier moment, elle l'a décommandé. Pour quelle raison? Elle a dit à Rémi que, quoi qu'il fasse, elle ne lui donnerait plus un sou. Et que dans ces conditions, il était inutile qu'ils se rencontrent. Mademoiselle Gauthier changeait-elle souvent d'avis? Oh non. Nathalie hésitait toujours avant de prendre une décision, mais rien ne pouvait la faire revenir en arrière. Détrompez-vous, monsieur Dorian. Elle a rencontré son frère juste avant de mourir. Ah non. Non, ce n'est pas possible. Si. Rémi Gauthier a reconnu avoir été avec sa sœur aux environs de 19 heures, c'est-à-dire quelques minutes avant le meurtre. Patron, on vient de trouver cette lettre dans la chambre de Nathalie Gauthier. Au revoir. Mademoiselle, votre présence ici est un scandale. Votre conduite est inqualifiable et tous les honnêtes gens sont révoltés. Si vous partez immédiatement, aucun mal ne vous sera fait. Mais si vous vous entêtez, votre vie sera en danger. Pas de signature, bien entendu. C'est une découverte, ça. Oui, mais si ton travail avait été bien fait, nous aurions cette lettre depuis longtemps. Ah oui, vous avez raison, patron. T'es-tu au moins occupé des empreintes? Oui, oui. En plus de celles de Nathalie Gauthier, il y en a de très nettes qui appartiennent à Antoinette Dorian. Voilà donc ce que sa mère recherchait dans la chambre de Nathalie. Patron, j'ai une idée. Madame Arnold ferait tout pour sa fille, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est elle qui a tué? Non, 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 ça je ne crois pas qu'elle irait jusque-là. Oui. Il ne resterait donc que deux suspects, Antoinette Dorian et Rémi Gauthier. Oui. Et tiens, à propos, est-il arrivé? Qui? Gauthier, oui, oui, il est là. Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? Bah, alors fais-le entrer, voyons. Oui, patron. Monsieur Gauthier, monsieur le commissaire va vous recevoir. Monsieur le commissaire, bonjour. Asseyez-vous, monsieur Gauthier, asseyez-vous. Vous avez reconnu, monsieur Gauthier, qu'à l'heure de la mort de votre sœur, vous étiez dans les parages. Dans les parages? N'exagérons rien. J'avais quitté Nathalie depuis un bon moment et j'étais loin de l'endroit où on l'a trouvée. J'aimerais reprendre certains points de notre conversation. Je vous en prie. Comment se fait-il que votre sœur ait accepté de vous voir alors qu'elle avait décidé d'annuler votre rendez-vous? Elle n'avait rien annulé. Ah si, 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 et même devant témoin. Eh bien, vous ne dites rien? Mais... En fait, vous n'aviez plus rendez-vous avec votre sœur et vous êtes venu la surprendre.
Enfin, je... Je veux la vérité, monsieur Gauthier. J'avais demandé à Nathalie de revenir sur sa décision, mais il n'y avait rien eu à faire. Et vous êtes venu quand même? Oui, je me suis assuré par téléphone qu'elle était rentrée à son hôtel et je l'ai guettée. Guettée? Ah, c'est intéressant, ça. Oui, enfin, je suis resté dans ma voiture en attendant qu'elle sorte. Ça a duré longtemps? 20 à 25 minutes, pas davantage. Quelle heure était-il? Je sais pas, moi, franchement, je sais plus. Ouais, ce sera facile à retrouver. Ça. Comment ça? Quand vous l'avez abordée, il y a sûrement eu des témoins, la rue est assez fréquentée. Je l'ai pas abordée. Comment? Vous vous déplacez spécialement pour la voir et quand elle est là, vous ne lui parlez pas? Je n'en ai pas eu le temps, elle a pris sa voiture et a démarré tout de suite. Vous l'avez suivie? Évidemment. Et où est-elle allée? À la gare routière, pour relever des horaires. Et c'est là que vous lui avez parlé? Oui. Comment a-t-elle réagi? Violemment. Elle a voulu remonter dans sa voiture, mais j'étais plus rapide qu'elle et je me suis mis au volant. Il a bien fallu qu'elle m'écoute. Alors? Je lui ai dit qu'elle devait me dépanner, qu'après tout, j'étais son frère. Mais aucun argument n'a porté, n'est-ce pas? Erreur! Elle m'a promis de m'envoyer un chèque dès le lendemain. En somme, vous essayez de me faire croire que vous n'aviez plus aucune raison de la tuer puisqu'elle vous donnait l'argent dont vous aviez besoin. Je ne sais pas de vous faire croire, c'est la vérité. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non, malheureusement. Mais je vous donne ma parole que... Ah, ben ça, c'est une raison de plus pour que je me méfie. Monsieur le commissaire! Oui, oui, enfin. Ensuite, qu'avez-vous fait? J'ai été boire un verre. Et savez-vous dans quelle direction est partie votre sœur? Elle a repris la route qui mène à son hôtel. Devait-elle retrouver quelqu'un? Je crois que oui, car elle était venue chercher les horaires pour une personne de l'hôtel qui avait envie de faire une excursion. Je vous remercie, monsieur Gauthier. Je vous demanderai de ne pas quitter la région pour l'instant. J'aurai certainement besoin de vous revoir. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur Gauthier. Laurent. Oui? Que penses-tu de ce type? J'ai donné des ordres pour qu'on ne le perde pas de vue, c'est tout dire. À propos, pendant que vous parliez avec Gauthier, j'ai reçu le rapport du légiste. Oh, pourquoi ne me l'as-tu pas donné plus tôt? Vous me posiez une question, j'y répondais. Nathalie Gauthier a été empoisonnée. Oui, c'est pas une surprise. Non, et je ne m'étais pas trompé. Il s'agit d'un poison très rapide. Elle l'a absorbé ou on lui a fait une piqûre? Il était mélangé à du chocolat. Du chocolat, on en est sûr? Certain. Et le poison a agi rapidement, dites-vous? Oui. Dont l'assassin est la dernière personne qui l'ait vue vivante. Laurent, nous travaillons sur cette hypothèse depuis le début. Oui, je sais bien, mais j'aimerais récapituler. Bon, récapitule. Le coupable a offert un chocolat empoisonné à Nathalie Gauthier, puis il l'a quitté rapidement pour ne pas être avec elle au moment de sa mort. Oui, c'est ça. Bon, non pas d'alibi. Antoinette Dorian et sa mère. Par contre, Rémy Gauthier, qu'il avait quitté depuis un moment, doit être éliminé de la liste des suspects. Pas du tout! Qui te dit qu'il ne l'a pas rejointe? Maman, je suis à bout. Oh, il faut absolument que tu te calmes, Antoinette. Veux-tu un cachet? Oh non, rien du tout. J'ai peur que le commissaire n'ait trouvé la lettre que j'avais envoyée à Nathalie. Il t'en aurait parlé. Voilà. Il attend que mes nerfs flanchent. Antoinette, c'est la catastrophe si tu te laisses aller. Mais tu crois que c'est une vie? Enfin, ce commissaire qui me soupçonne, les gens qui se moquent de moi, et Marcel, que je suis condamnée à avoir sous les yeux toute la journée. Oh, je le déteste. Mais je le sais bien, ma chérie, je le déteste autant que toi. Oh, ce que j'envie les veuves, tu sais. Mais qui pourrait bien m'en débarrasser? Attention, il risque de t'entendre. Ouf, pas de danger. Il est dans le salon en train de rêver à sa Nathalie. Mais qui ça peut-il être? Oh mon Dieu, j'ai peur, maman. Entrez. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, commissaire. Comment allez-vous, madame Dorian? Bien mal. Ah oui, j'imagine vos problèmes. Ma fille est fatiguée, commissaire, et il serait préférable que vous reveniez plus tard. Je regrette, il n'en est pas question. Ah, vous aimez tourmenter les gens. Oh, pas du tout, madame. La preuve, je vais vous demander d'aller dans votre chambre, ainsi je ne vous tourmenterai pas. Ah, vous ne pouvez pas m'empêcher de rester près de ma fille. Mais si, madame. Je vous demande de sortir de cette pièce. Ah, si vous le prenez sur ce ton. Maintenant que nous sommes seuls, madame Dorian, vous allez m'expliquer pourquoi vous avez omis de me parler de certaines lettres anonymes. Comment, mais
Je n'en ai pas reçu. Allons, allons, madame, je parle de celle que vous avez envoyée. Mais c'est faux! Non, non, ne niez pas, les graphologues sont formels. Oh, je l'avais bien dit à maman. Elle pensait que des menaces pousseraient Nathalie à quitter l'hôtel, mais j'étais sûre que ça finirait mal. Si je comprends bien, la responsable, c'est votre mère. Mais oui. Mais c'est quand même vous qui avez écrit. Sous sa dictée. Oh, pardon, je ne savais pas que vous étiez ici, monsieur le commissaire. Je continue mon enquête, vous voyez. Y a-t-il du nouveau? Mais oui, nous progressons. Nathalie. Oh non, écoutez-le, il a des sanglots dans la voix, ma parole. Oh là 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 là, vous voyez ce que j'endure, commissaire, franchement. Et, en somme, vous devez être soulagé par la mort de mademoiselle Gauthier. Non, car je suis charitable. Résumons-nous. Vous connaissiez les sentiments de votre mari pour Nathalie Gauthier. Vous lui écrivez une lettre de menace pour qu'elle quitte l'hôtel, mais en pure perte. Alors, vous décidez de l'empoisonner. Vous demandez à mademoiselle Gauthier de passer vous voir dans votre chambre pendant que votre mari fait une visite à mademoiselle Petit et que votre mère est sortie. Vous êtes donc seul avec elle. Vous l'accueillez aimablement, faites une dernière tentative pour l'éloigner de votre mari, mais Nathalie ne cède pas. Voyant que vous avez échoué, vous vous mettez en colère. C'est faux, je suis restée très calme. C'est tout ce que je voulais vous faire dire, madame Dorian. Vous reconnaissez donc que vous étiez avec mademoiselle Gauthier à 19h, le jour du meurtre. Mais non. Je voulais dire que je suis toujours calme, toujours. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Enfin, oh non, écoutez, arrêtez, commissaire. Je me sens pas bien, vous savez, je me sens pas bien du tout. Il faudrait demander un docteur. Oh, vite, un docteur. Ne joue pas la comédie, veux-tu? Elle semble vraiment souffrante. Mais non, je la connais, elle n'a rien. Quand quelque chose la contrarie, elle fait semblant de s'évanouir. C'est un vieux truc à elle. Mais quand même. Je ne l'aurais jamais cru capable de cela. Parce que vous l'avez accusée d'avoir empoisonné le chocolat, j'ai pensé que vous vous trompiez. Mais non. C'était vrai. Votre femme s'est évanouie, monsieur Dorian. Allez vite chercher un médecin. Patron, tout le monde est là. Tu vas pouvoir les faire entrer. Je me réjouis d'arrêter la bonne femme. Elle m'a jamais été sympathique. À propos, patron, qu'a dit le toubib à son sujet? Était-elle vraiment malade quand vous l'avez démasquée? Non, il a été formel. Elle jouait la comédie. Ah, celle-là, je vous jure. Eh bien, Laurent. Oui, quoi, patron? Eh ben. Ah oui, je l'ai fait entrer. Mesdames, messieurs, si vous voulez venir. Bonjour, commissaire. Bonjour. Asseyez-vous ici, Madame Arnold, entre votre gendre et Monsieur Gauthier. Il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas assise à côté de ma mère. Vous serez fort bien près de l'inspecteur Laurent. J'ai réuni aujourd'hui tous les suspects. Il ne faudrait pas confondre une voisine respectable avec une épouse rongée par la jalousie. Vous allez vous taire, vous. Silence. Vous étiez tous suspects et tous vous aviez des motifs pour désirer la mort de Nathalie Gauthier. Sauf vous, monsieur Dorian. Elle l'avait ensorcelé. J'ai également éliminé mademoiselle Petit, quoique j'ai un peu hésité. Vous êtes vindicative, mademoiselle, et Nathalie vous avait fait renvoyer de chez ses parents, mais vous avez un alibi. C'est une chance. En revanche, monsieur Gauthier avait un mobile de choix. L'argent. Madame Dorian, la jalousie. Vous, madame Arnold... Un amour maternel exacerbé. Mais il va me reprocher de trop aimer ma fille. Non, madame, non, mais de la mal aimer. C'est tout différent. Je me suis trouvé devant un problème difficile, car aucun de vous n'avait d'alibi. Ma sœur est morte à 7h15, mais personne ne connaît l'heure à laquelle elle a absorbé le poison. Le médecin légiste est très précis à ce sujet. Quelques minutes seulement avant de succomber. Dans ces conditions, je suis hors de cause, puisque j'avais quitté Nathalie beaucoup plus tôt. Vous auriez pu la retrouver. Mais je sais que vous êtes innocent, ainsi que Madame Arnold, puisque Madame Dorian a reconnu qu'elle avait reçu Mademoiselle Gauthier dans sa chambre vers 19h. Comment vous avez cru que... Ne vous en ferez pas dans votre mensonge. Je connais même le prétexte que vous aviez donné à Mademoiselle Gauthier pour qu'elle monte dans votre chambre. Vous lui aviez demandé d'aller à la gare routière relever les horaires des cars. Alors, avouez-le. C'est vrai.
Et c'est à la fin de cette visite que vous avez donné un chocolat empoisonné à Mademoiselle Gauthier. Ah, ça, c'est pas vrai! Si. J'ai trouvé dans votre chambre une boîte de chocolat identique à celui que la malheureuse avait mangé quelques instants avant de mourir. Et c'est vous, Madame Dorian, et vous seule qui avez pu lui offrir. Oh. Alors, ne niez pas, ça ne servirait à rien. Mais enfin, comment... Je vais être obligé de vous passer les menottes, Madame Dorian. Non, Laurent, non. Les menottes ne sont pas pour Madame Dorian. Elle a bien offert le chocolat, mais elle ne savait pas qu'il était empoisonné. Mais alors... Pour connaître le nom du coupable, il suffit de faire un raisonnement très simple. Mademoiselle Gauthier était une jeune fille croyante. Et Monsieur Dorian en était très amoureux. Quel était l'avenir possible, puisque Mademoiselle Gauthier n'aurait pas consenti à devenir sa maîtresse, et encore moins à épouser un divorcé? C'est à vous que je pose cette question, Monsieur Dorian. Hein? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais réfléchi. Oh, si. Vous y avez longuement réfléchi. Et vous êtes arrivé à la conclusion que l'unique solution était de supprimer votre femme. Ainsi, vous seriez libre. Ça paraît... C'est faux! Non, Monsieur Dorian. C'est vous qui avez donné à votre femme la boîte de chocolat qui est dans la chambre. Mais oui, c'est lui! Mais je ne le nie pas. Et c'est vous qui avez empoisonné l'un des bonbons. Mais non! Du reste, un criminel qui voudrait tuer sa femme n'emploierait pas ce moyen. Ah? Parce que la personne qui reçoit des chocolats peut en offrir à n'importe qui. Vous étiez dans un hôtel. Oui. Et en principe, vous ne deviez recevoir aucune visite. La seule personne qui aurait pu en prendre était votre belle-mère. Or, Madame Arnold suit un régime et ne mange aucune sucrerie. Mais enfin, si ma femme était morte dans des circonstances bizarres, j'aurais tout de suite été soupçonné. Ah non, car vous aviez pris vos précautions. Madame Dorian avait menacé de se suicider si vous la quittiez. Et vous-même m'avez dit qu'elle vous l'avait écrit. Je suis sûr que lorsque nous vous fouillerons tout à l'heure, nous trouverons une lettre de ce genre. Oui, cela se peut que j'en ai gardé une. Cela se peut? C'est certain, voulez-vous dire. Et si Madame Dorian était morte, cette lettre serait déjà au dossier. Mais ce sont des pures spéculations. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Ah, si, car vous vous êtes trahi, Monsieur Dorian. Je voudrais bien savoir comment. Je n'avais pas précisé par quoi elle avait été empoisonnée. Or, le premier, vous m'avez parlé de chocolat. Comment l'auriez-vous su si vous n'étiez pas coupable? Nathalie. Je voulais être libre pour l'épouser. J'aurais fait n'importe quoi pour vivre avec elle. C'est de ma faute si elle est morte. Oui, Monsieur Dorian. Elle est morte par erreur. Laurent, emmène-le. Oh, le monstre! Avoir voulu me tuer! Oh. Ma pauvre chérie, c'est affreux. Nous qui faisions tout pour lui rendre la vie agréable.